Bonjour. Bonjour. Je voudrais une place pour le prochain concert d'Avril Lavigne, s'il vous plaît. Avril Lavigne ? J'ai pas de concert prévu, monsieur. J'aime beaucoup cette chanteuse. Je sais que ses concerts sont complets très longtemps à l'avance. Oui, je comprends bien, mais là, je crois qu'elle n'est pas en tournée. En tout cas, j'ai pas de date de tournée. Ah, merci quand même. Au revoir. Bonjour madame, je voudrais réserver une place en crèche, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, asseyez-vous là. Alors, quel âge a votre enfant ? Non, en fait, il n'est pas encore né. C'est bien, vous êtes prévoyant. Oui, on m'a dit que c'était très long pour avoir une place en crèche. Oui, c'est vrai. Vous avez la date du terme ? Du terme ? Oui, l'accouchement est prévu quand ? Non, je ne connais pas encore cette date. Vous avez la date de ces dernières règles ? Alors ça, non, j'en sais rien. Je suis vraiment navré. Vous avez passé la première échographie ? Non, pas du tout. Votre compagne, elle est bien enceinte ? Non, pas encore, en fait. Ah, d'accord. Écoutez, je ne peux pas vous réserver de place en crèche si je n'ai pas au moins une date d'accouchement. Ah. Et c'est juste qu'on m'avait dit que c'était très long pour avoir une place en crèche. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas vous réserver de place si je n'ai pas au moins une date. Ah. Eh bien... Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer chez vous, vous allez parler de votre projet à votre copine, et puis, vous allez... Vous allez vous y mettre, En fait, je n'ai pas encore de copine. Ah oui, alors là, c'est plus de la prévoyance, là. C'est juste qu'on m'avait dit que c'était très long. Pour avoir une place. Préoccupant, cet archipel de 9 îles, que sont les Tuvalu, ont une altitude de moins de 2 mètres. Donc ça nous permet de voir avec précision et certitude que l'élévation du niveau des océans est désormais établie. Pour beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, cette nation est considérée comme la première à être amenée à disparaître à cause du réchauffement climatique et de ses effets sur le niveau moyen des océans. Excusez-moi, je me permets de vous couper, mais juste, est-ce que l'un d'entre vous peut préciser pour nos auditeurs en quoi le réchauffement climatique influence le niveau des océans ? Monsieur Joussel, peut-être ? C'est bien le Groenland que l'Antarctique de l'Ouest contribue à l'élévation du niveau des mers, et de façon notable. C'est entre 2 et 3 mm chaque année. On considère que Groenland et Antarctique de l'Ouest ont contribué pour plus d'un millimètre au cours de l'année dernière, en gros un tiers. Et l'autre facteur ? L'autre facteur, c'est le plus important, c'est la dilatation de l'eau. Avec le réchauffement, les milliards de tonnes d'eau des mers se dilatent, prennent de plus en plus de place et donc élèvent le niveau moyen. Et la crainte de la communauté scientifique, si cette accélération se poursuit, certains scientifiques envisagent que des...